Salut à tous. Hey, salut à tous, c'est Cafeu, on se retrouve pour l'épisode 2 de Pokémon Emerald en Random Challenge. Donc, petit rappel de l'équipe, hein. On a un Reptincel et un Grolem. Caillou et Feu Follet. Je remonte les stats. Voilà. Alors, on est parti. On va garder Feu Follet en première position. Un Alakazam. J'ai envie de le capturer. Parce que j'aime beaucoup les Alakazam. Mais on va le tuer. Clairement, on va le tuer. Bon, ok. Super. Bon, on continue notre route. Prends des beurants. Ça sert toujours. Le destin nous a fait nous rencontrer. Accepterais-tu un petit combat? Ok. Alors, un combat est lancé par Mademoiselle Sandy. Hermure. Ok. Feu Follet, Flamèche. Ça devrait le one shot. Non, pas du tout. D'accord. Baisse ma défense, pas de problème. On va le finir comme ça, on va le finir tranquillement. Voilà, on va le three shot. Super. J'ai oublié à quel niveau Reptincel évolue en Dracaufeu, je crois que c'est au niveau 36. Je sais plus, je crois que c'est 36. Alors, donc Grolem il a déjà atteint sa dernière évolution. Et nous continuons donc dans cette forêt. Bon, il y a une Pokéball là-bas. J'ai attrapé tout un tas de Pokémon. Allez, allez! Mon équipe de Pokémon insectes. Donc, c'est parti. Démolos. Feu ténèbres. Partir sur du griffe peut-être, je sais pas. Oui, tranquillement. 130 points d'expérience. Colomar, on va continuer avec feu. Ah non, merde. Mince. Ah oui, d'accord. Bon, griffe, ça devrait le one shot tranquillement. Non, d'accord. Ok, quoi, il fait carrément pas mal, ça va. Je pensais qu'il allait me faire beaucoup plus mal. Mais c'est tranquille. Donc voilà, faut voler au niveau 13. Et après, en brouillard. Why not? Mediana. Bon, on va envoyer Caillou. Pour le faire up un tout petit peu. J'envoie Mediana. J'ai de pierre. Super. Bon. Malos. Oui, grain de feu, ça va. Feu ténèbres. J'ai de pierre. Ok. C'est bon. Plutôt cool. J'avais tous ces Pokémon et je n'ai même pas gagné. 48 Poké-Dollars. Tu es radin. Ok, bon. On met Caillou devant. Et on avance dans la forêt. Alors, quel type de Pokémon peut-on rencontrer? Yanma, c'est ça, hein? Ouais. Il est très très laid. Avec la bouche. La bouche qui ressort comme ça et la tête. Ah non, j'aime pas du tout. Je trouve très très laid. Bon. On continue. Rien du tout. Salut. T'aurais pas vu un Pokémon appelé Balignon dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon. Je voulais te piéger. Mais ça fait une éternité que tu traînes dans le bois de Clémentie. Ras-le-bol d'attendre. Alors me voilà.
Toi, le chercheur de Devon, donne-moi ces papiers. Oh, hé, hey, tu es un dresseur de Pokémon, non? Il faudrait que tu m'aides, s'il te plaît. Tu penses faire quoi, comment? Tu vas le défendre? La Team Aqua n'a jamais de pitié. La Team Aqua n'a jamais de pitié pour ses ennemis. Pas même pour un enfant. Viens te battre. Let's go. Donc, premier combat contre la Team Aqua. Quel sera ton Pokémon? Un Pifeuil. Ça va, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'il a... Non. Si. Bon, on devrait lui faire assez mal, je pense. Oui. Ok, il fait croissance. Il augmente son attaque spéciale. Et sa défense spéciale, non? Plus l'attaque spéciale, ok. Et on le finit tranquillement. Ça va. Super, 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 super. Et Caillou, up au niveau 12. J'aime ça, c'est super. Tu m'as bluffé, quelle force! 180 Poké-Dollars. Grrr, tu as eu le culot de te... What? Tu as eu le culot de t'opposer à la Team Aqua. Viens et affronte-moi de nouveau. C'est ce que j'aurais aimé te dire, mais je suis à court de Pokémon. Et en plus, nous, la Team Aqua, on a quelque chose à faire à Mirouville. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer. Ouf, il s'en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ses importants papiers. C'est pas bien important, plutôt. Bon, je sais. Pour te remercier, je vais te donner cette Super Bowl. Super Bowl. Café mes Super Bowl dans le... Non, Poche Bowl. Cette brute de la Team Aqua n'a-t-elle pas dit qu'il avait quelque chose à faire à Méroville? Oh là là, c'est une catastrophe. Je n'ai pas de temps à perdre. Bon. On continue... Si t'emmènes des Pokémon insectes à l'école, t'es tout de suite populaire. D'accord. Un combat est lancé par Scoot James. Un Magnétiche. Ok. Bon, part sur un jet de pierre. Ce n'est pas très efficace. Ah bon, j'ai pas d'attaque combat. Continue avec du jet de pierre, hein, ça le fait plutôt mal. Alors, 114 points d'expérience. Caillou monte au niveau 13, super. Il envoie Négapi, donc on continue avec Caillou, hein. Continue, jet de pierre. Ok. Donc, tu es rugissement. Voilà. Donc, je crois que là, on a fini avec la. Avec les dresseurs de cette forêt. Scoot James. Je ne peux pas être populaire si je perds. D'accord. Un persian. Pas mal. Il est très très moche, encore une fois. Bon. Non, en fait, ça va. Il est pas... Bon, non, il est moche. Café trouve huile. Bon. Quel est le dernier Pokémon que je vais... Un Lipou... Le petit... Un Lipouti, ok. Ouais. Ça veut dire Lipoutou, mais c'est la sous-évolution de Lipoutou. Je n'aime pas du tout ce Pokémon. Je ne l'aime pas du tout. Bon, Beurant. Oui. Voilà. Bekika, je crois que... Non, Fleurisse, ok. Ça peut servir hein, si on est paralysé. Let's go. Ok. Ceci était une tentative de fail... une tentative de feint fail. Alors, un combat est lancé par Richard Jean-Marie. Richard Jean-Marie. Oh, il a Scarbrut. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, Pokémon insecte, hein. C'est super efficace, évidemment, évidemment. Donc, la première arène. Oui, j'aurais dû capturer un Pokémon parce que là, je vais galérer dans la première arène, hein. Ah, ben non, mais vu que du coup. Eh, j'avais oublié.
Les Pokémon de l'arène seront aussi randomisés, donc ça sera pas des Pokémon. Mais des Pokémon de l'arène, tout simplement. Ce sera pas des Pokémon Sol, ni Caillou, ni. Voilà, vous avez compris. Oh. Non, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé Scarino. Insecte combat, vraiment. J'apprécie ce Pokémon. Bon, j'espère que l'arène sera pas une arène de Pokémon O. Sinon on va un peu galérer. Cisaiox. C'est pas mal. Bon. Insecte acier, Cisaiox, je crois. Je crois qu'il est insecte acier. Ouais, oui, je pense. Ok, donc Caillou up au niveau 15. Super. On va juste remettre Feu Follet devant. Là, il y a un combat double, de toute façon. On est jumelles, alors on combat ensemble. Pas forcément, c'est pas logique. Hein, un combat est lancé par jumelles Gina et Mia. Mediana et Démolos. Donc Pokémon Feu Ténèbres et Pokémon Ténèbres. Donc j'aurais envie de partir sur ça comme ça. Et ça comme ça. Double one shot. Donc voilà, c'est super efficace. Feu Follet. Bon, Follet devrait up maintenant. Non. Ah non, vous êtes pas. Dommage. On s'est battu ensemble et on a perdu toutes les deux. Café remporte 144 Pokédollars. Donc on continue. Bon, on fera ça plus tard. On va récupérer la CS Coupe. Je crois que c'est là. Des Pokémon bien entraînés. Tu as l'invitation d'un dresseur. Sûr que tu seras capable de faire bon usage de cette CS. Oui, donc c'est là. Donc on obtient la CS1. Je me rappelle que j'ai galéré pour la fin, pour la trouver parce qu'il y a. Elle est pas obligatoire pour l'avancement du jeu, mais il y a plein de choses à faire avec cette CS et que je la trouvais, j'arrivais pas à la trouver. Et après donc je suis allé sur internet et j'ai enfin trouvé. Bon, on va voir ce qu'il y a comme Pokémon ici. Mon Pokémon est le roi, regarde un peu. Ouais, peut-être pas. Un combat est lancé par Gamma Joe. Un Kaymorph, pas mal. Pas mal. On va essayer de. On va partir sur du griffe. Ah ouais. Non, poudreuse, ça devrait aller, je pense. Je sais pas. Oui, voilà. Ça va. Tant qu'il me gèle pas. Vu qu'il est au glace, est-ce que le feu c'est x2 ou x1? Je sais pas. Je crois que c'est x2 quand même. Non, c'est fou. Bon, on l'a brûlé, super. Il nous fait un rugissement, c'est pas très très grave. Hein. On va continuer sur du griffe et vu qu'il est brûlé, on devrait pas trop avoir de mal à le finir. Ah si, en fait, ouf, aïe. Ah oui, coup critique. Il a fait deux coups critiques quand même. Hein. Il a fait coup critique, rugissement, coup critique. Bon, on va le finir avec Caillou qui est au niveau 15. Hein. Bon. On va battre ce dresseur. On va vérifier un peu les Pokémon qu'il y a dans ses herbes. Et ensuite, on va aller se battre contre le. Donc, contre le champion d'arène. Et Caillou apprend Ampleur. Donc, ça, c'est super. Un tremblement de terre d'intensité variable. Pas oublier lance-boue. Ok, Caillou apprend Ampleur, super. On a battu Gamma Joe. Donc on va voir ce qu'il y a dans ces herbes là. S'il n'y a pas un Pokémon à capturer.
Un Pokémon qui serait plutôt cool. Un Tournegrin, non. Non, réellement, non. Pas de Tournegrin. On va faire une petite fuite. Bon. C'est pas grave. On va soigner nos Pokémon et on va se faire l'arène Pokémon. On est parti. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Ok, je prends vos Pokémon un instant. Donc accélération, accélération, accélération. Voilà. On va aller à l'arène. Alors, c'est parti. On va voir les Pokémon qu'ils ont. Ne prends pas les dresseurs d'arène à la légère. Tu vas voir pourquoi on est les meilleurs. Ok. Alors, gamin. Gamin John. Installe gamin. D'accord. Par contre, là, je vais te one shot, mon ami. Et boum! Ah non. Bon, autant pour moi. Poudreuse. Heureusement qu'ils n'ont pas glaciation. On continue avec du flamèche, hein, tranquillement. C'est super efficace. Donc, faut les up au niveau 14. Super, super, super. Vous avez battu Kaman June, tu as trop de force pour moi. Donc, on va essayer d'esquiver celui-là. Oh, double feinte. Est-ce qu'on fait le combat? On le fait, on le fait pas, on le fait pas. Ok, salut. Je suis Roxane, champion de l'arène Pokémon de Méroville. Je suis devenu champion pour appliquer dans les combats ce que j'ai appris à l'école dresseur. Tu voudrais bien me montrer comment tu te bats et avec quel Pokémon? Donc c'est parti, on va affronter Roxane. Pokémon glace, non? Oui, un Articodin. Donc, elle ne s'embête pas, un petit Articodin. Donc deuxième Articodin qu'on rencontre déjà. Donc, je m'autorise pas à capturer les Pokémon légendaires, hein, je vous préviens. Ça lui fait pas mal. Ouais, il me fait mal lui par contre. D'accord. Est-ce... Oui, bon, là ça va être... Mais oui, évidemment. Évidemment. Bon, on continue avec du flamèche. Est-ce que j'ai une potion? On a une potion. On va utiliser une potion. Oui, continue à utiliser tournade. D'accord, d'accord. Oups. C'est un petit brouillard. Ah, la vieille attaque brouillard. Précision de Articuno. Ennemi pèse beaucoup. Ah, il utilise encore tournade. Ah. Bon. Espérons qu'il rate son attaque. Allez. Ah, bon. Feu follet. Au revoir. Donc, il ne reste plus que Caillou. Ça va être un peu difficile. Ok, bon, Caillou. Tu pars sur du charge, tranquillement. Ok. Aïe. 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 Ok, ça va, ça va. On le termine avec charge. Et on va voir ses autres Pokémon. Oui, donc les Pokémon légendaires, c'est un peu cheaté quand même, hein. Et on gagne 552 points d'expérience. Ok. Un Onigladi. D'accord. Un petit Ampleur. Ampleur 6, bon, c'est pas super, hein. D'accord, il utilise Reflet. Donc on continue sur du Ampleur. Il utilise Potion. Enfin, elle en l'occurrence. Ampleur 7. Bon, c'est déjà mieux, hein. Bon, on va essayer du jet de pierre pour voir. Ok, il rate son attaque. Et il utilise poudreuse.
Bon, on continue sur du ampleur. Ampleur 9, super. Oh non, comment tu rates une attaque? C'est pas grave. Hop, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Hop. Donc il a fait ampleur 9 et il a tué. Donc Caillou monte au niveau 18 et quel est son dernier Pokémon? Un Lipucci. Pokémon que je n'apprécie pas du tout. On part sur du ampleur, ampleur 5, c'est pas super super ça. Ok, bon, ça va. Clairement, je pensais qu'on allait mourir, hein. Mais on a réussi à battre le champion d'arène sans trop de difficultés. Je sais pas comment, mais bon, on a réussi. Grâce à Caillou. Super, super, super. Bon, j'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien de choses à apprendre. Je comprends, les règles de la Ligue Pokémon stipulent que le champion doit remettre ceci au dresseur qu'il a battu. Alors accepte ce badge roche officiel de la Ligue Pokémon. Je me rappelle. Café reçoit le badge roche de la part de Roxane. Donc merci Roxane. Le badge roche augmente la puissance des attaques de tes Pokémon. Il leur permet d'utiliser l'attaque de la CS Coupe en dehors des combats. Accepte également ça. CD 39, c'est Tombe Roche. On tient Tombe Roche, oui, là. Accélération, accélération, accélération. Donc voilà les gens, déjà. Je pense. Dégage, hors de ma route. Donc merci de me couper. Attends, je t'en prie. Rends-moi mon pack. Bon. On va soigner nos Pokémon. Donc, on va continuer. On va continuer un peu. On va continuer jusqu'à arriver sur l'île Cramoisil, il me semble. Alors, oh, c'est toi. Tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bois Clémentine. Aide-moi, la team Aqua m'a volé. Il faut que je récupère le pack d'Evan, sinon je vais avoir de graves problèmes. Ok, mini accélération, vous ne voyez rien. Un Magnétis. Bon, je non, clairement. Non, Magnétis, je n'ai pas envie. Ok, bon, on continue à avancer. J'ai étudié à l'école et j'ai étudié aussi en rentrant chez moi. D'accord. Un combat est lancé par. Je n'ai pas vu, ok, c'est pas grave. Roucoule, il l'envoie. Ah, il est extrêmement laid. Ah. Ah là là. Il est très 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 moche. Ah, j'aime pas du tout. Bon, alors, je ne critique pas rien, évidemment. C'est qu'il est vraiment très laid. Donc, feu follet. Super, super, super. Quel choc, j'ai perdu. Bon. On continue, on continue, on continue. Un Staro, Starry, ça peut être cool hein, comme Pokémon. J'aime bien Starry. Vu que c'est Ondine qu'il avait dans la saison 1, je crois. Mais clairement, non, non, non. Non, désolé. Je pense qu'on pourrait. Bon, on va faire le combat double. Non, je l'ai pas. Non, d'accord. Pas de combat double. Ok, donc esquive, esquive. Oh. Ok, bon, combat double finalement, d'accord. S'il n'y a pas de tunnel. Ok, bon, j'ai pas vu. Si je ne vois sans issue, je m'ennuie, on sait pas. D'accord. Un combat est lancé par Montagnard, Luigi et gamin Mario. Juste abri, ok. Donc deux Pokémon haut, évidemment, hein. Pourquoi pas. Ok. Donc j'ai pas beaucoup de chance en ce début. Donc de Random Challenge. Vu que j'ai deux Pokémon qui craignent l'eau. Donc on va partir sur du Griff et sur du Ampleur.
Ampleur 7. Donc dans cette génération, quand vous faites pas. D'accord. D'accord. J'allais dire, dans cette génération, quand vous faites par exemple Ampleur ou Surf, votre Pokémon allié, donc quand vous faites un combat double, votre Pokémon allié n'est pas affecté. D'accord? Donc ceci est un gros fail. Et il envoie Lanterne, donc Pokémon eau électrique. Bon, on part sur du Ampleur. Ampleur 9, pas mal. Vu qu'il est électrique, ça doit être x2. Ok, super. Super, super. Caillou a gagné 267 Pokémon. Ok. Bon, les gens, on va se laisser donc ici pour cette vidéo. Ça fait déjà 26 minutes. Donc, j'espère que le concept vous plaît. Donc, deuxième épisode. Là, je vais retourner soigner mes Pokémon. Je vais me battre un peu contre les Dresseurs. Je vais faire up mon Salamèche. Et on se retrouvera dans le troisième épisode. Allez, salut à tous et à bientôt.